Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans cet épisode 1 de Au coin du Blu-ray. Un épisode 1, du coup, que j'avais voulu très sobre, très simple. On va parler des Blu-ray que j'ai avec un chiffre. Dedans, j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. J'en ai quelques-uns. Pour être sincère, j'en ai pas non plus des tonnes. J'ai 120 battements par minute, qui est un film que j'apprécie énormément, que je trouve très intéressant, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne, d'ailleurs avec ma petite sœur, ce qui reste quand même une de ces vidéos que je trouve à la fois amusante et très instructive. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment très peu de films en Blu-ray avec des chiffres, mais il y en a un qui a retenu mon attention plus que les autres. C'est un film qui, je sais, est très apprécié d'un certain Léopold, mais qui, au-delà de ça, est le premier long métrage d'un jeune cinéaste qui, depuis, n'a fait que décoller, et qui surtout, lorsqu'il est sorti, mine de rien, il a impressionné beaucoup de gens parce que même si le réalisateur venait du monde du clip, voir un film aussi créatif en termes d'esthétique, en termes de narration, qui arrivait à souvent exploser le quatrième mur tout en étant logique dans sa continuité, bah, je dois avouer que dans son genre, 500 jours ensemble de Marc Webb est quand même une jolie petite pépite. Je dirais pas non plus que c'est un film parfait. Mais c'est un film qui est très intéressant en termes de thématique, en termes de traitement, en termes d'élaboration d'une narration qui est complètement explosée. Enfin, c'est rare de voir des metteurs en scène avec autant de jubilation s'amuser à jouer sur à quel point une relation, lorsqu'on l'a finie, elle va nous revenir par petits bouts, si on en est nostalgique ou mélancolique. Et là, du coup, bon, l'histoire, pour faire très simple, c'est l'histoire d'un mec qui en plein break va questionner la relation qu'il a vécue avec une jeune femme qui s'appelle Summer et avec qui il a été 500 jours. D'où le titre du film. Et d'ailleurs, le titre en français est bizarre parce que c'est 500 jours ensemble, alors que le titre original c'est 500 Days of Summer, parce que le personnage donc qu'il rencontre s'appelle Summer. Du coup, en France, on est bizarre en termes de titre. Bref, moi ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que Mark Webb, en sachant que c'est son premier long métrage, est quand même très créatif. Bien au-delà de réussir à mettre en place une œuvre qui soit intelligente, qui soit bien mise en scène, qui soit plutôt bien écrite également, c'est avant tout un film qui passe son temps à développer des idées. Et mine de rien, même encore aujourd'hui, c'est rare de voir des metteurs en scène dès leur premier long métrage être aussi créatifs, en tout cas par exemple sur le sol américain. Sur le sol américain, il faut vraiment aller piocher dans un cinéma indépendant qui est de moins en moins mis en avant pour trouver des longs métrages qui soient aussi créatifs en termes de mise en scène et en termes de jeu avec ce que le spectateur peut attendre de ce genre de récit. Enfin, je prends un exemple tout bête, mais pour moi, je trouve que dans 500 jours ensemble, il y a la même vibe qui a fait la force et la forme de La La Land. C'est-à-dire à la fois cette envie de surfer sur les rom-coms, comme on pouvait les connaître à l'époque, et en même temps d'amener quelque chose qui dynamite un petit peu le genre, qui fasse en sorte que nous, spectateurs, on ne soit pas en train de se dire c'est encore une comédie romantique avec des personnages qui vont de manière très langoureuse se montrer leur amour et au fur et à mesure d'une longue narration qui va brasser chacun de leurs jours ensemble, va à la fin nous montrer à quel point une relation n'est qu'éphémère et qu'il faut profiter de l'instant. Enfin, ça pourrait être très classique, mais Mark Webb a cette créativité, cette inventivité, cette justesse de jouer justement avec nos attentes de spectateurs et donc de développer quelque chose que l'on n'attend pas forcément. Bon, évidemment, le film passe par pas mal de clichés, c'est pour ça que je ne peux pas non plus le défendre corps et âme. Je trouve que le film est bourré d'instants de facilité, mais je préfère rester sur cette impression que j'ai eue la première fois que je l'ai vu quand j'étais assez jeune, c'est-à-dire cette sensation de voir vraiment un long métrage qui allait à l'encontre de ce que j'avais l'habitude de voir dans un genre qui était très codifié. Et c'est ça en fait qui, je trouve, emmène vraiment bien le film de Mark Webb. C'est que à de très rares moments, on se dit que le film va sur des sentiers battus. On passe son temps à se dire que le film va justement dans des contrées où on ne s'attendrait pas forcément à voir le genre. Et c'est ça en fait qui amène beaucoup de caractère à l'œuvre. Bien évidemment, ce qui amène aussi le caractère à l'œuvre, c'est la présence de Joseph Gordon-Levitt et de Zooey Deschanel. Zooey Deschanel qui est une actrice que j'ai pas toujours appréciée. Enfin, je prends un exemple tout bête, mais par exemple, je sais qu'il y a une série dans laquelle elle a cartonné, mais j'ai jamais accroché à cette série. Voilà. Mais au-delà de ça, en termes de cinéma, je trouve que, par exemple, Yes Man ou Phénomène, ce sont des films dans lesquels elle ne brille pas. Elle a une espèce de jeu bizarre, un peu lunatique. Je trouve que la seule partie de sa carrière qu'elle a vraiment réussi à maîtriser, c'est la partie où elle a été chanteuse. D'ailleurs, elle a un très bon groupe. Et je trouve que c'est là qu'elle s'est le plus épanouie. Parce que, vraiment, je trouve qu'au cinéma, il manquait quelque chose.
Je sais pas ce que c'est, mais il manquait un petit truc pour réussir à faire en sorte que son jeu soit subtil ou élégant ou même simplement fin, parce qu'on a constamment l'impression qu'elle est en train de jouer une petite moue comme ça, et pas s'auto parler comme ça, elle fait des mimiques et tout. Et du coup, ça peut être très énervant. Et je trouve que dans 500 jours ensemble, Mark Webb a su justement jouer avec ça. Et faire en sorte que par instant, cette petite moue qu'elle a tendance à faire, bah, ça serve le personnage, ça la rende quasi insupportable. Et par d'autres moments, elle va être vraiment touchante et on va se dire, ah ouais, non mais je peux comprendre que ce personnage soit tombé sous son charme. Enfin, je prends par exemple la séquence dans l'ascenseur où ils discutent pour la première fois et qu'elle lui dit simplement qu'elle aime les Smiths, qu'elle les adore et qu'elle chante un petit bout des Smiths. Enfin, ça suffit en fait à rendre le personnage extrêmement attachant et c'est là en fait que son jeu d'actrice réussit à ressortir. Pour moi, celui qui brillait à l'époque et dont je suis tombé amoureux dès ce long métrage, c'est Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt est un immense acteur qui se fait beaucoup trop rare ou qui a des choix de carrière un peu bizarres. Je pense à Project Power, dans lequel je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'il détonne complètement du casting. Mais au-delà de ça, voilà, je trouve le film très intéressant. Je dois avouer que ce Blu-ray est plus intéressant que d'habitude en termes de bonus. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Il y a les premiers clips qu'avait fait Mark Webb, il y a quelques scènes coupées, il y a des interviews, il y a des rencontres avec les acteurs. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que on peut découvrir au travers de ce Blu-ray le début de la carrière de Mark Webb. Ce qui, mine de rien, est une chose assez importante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films où c'est les premiers films de leur réalisateur, où les Blu-ray sont avares justement en bonus, où c'est rarement, où c'est généralement des rencontres avec les acteurs, une rencontre avec le réalisateur. Mais là, dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut découvrir le passé de Mark Webb et comprendre comment il a pu arriver de quelques clips qu'il a fait, puis un court-métrage, puis ensuite 500 jours ensemble. Donc là-dessus, je trouve le Blu-ray très intéressant. Mais au-delà de ça, c'est un film qui, je trouve, a plutôt bien vieilli. C'est le genre de film devant lequel on peut rester quand même fasciné, alors que mine de rien, il a quand même pas mal d'années. Et pour autant, on y reste attaché, on se dit quand même que l'œuvre a réussi à capter un sentiment, une évocation du genre qui fonctionne bien. Et ouais, moi, franchement, je vous conseille de voir 500 jours ensemble si vous ne l'avez pas encore vu de Mark Webb. Et si vous le connaissez déjà, bah, regardez-le, vous vous doutez bien que c'est pas un mauvais film, bien au contraire, c'est même plutôt entraînant. Ainsi s'achève cet épisode 1 de Au coin du Blu-ray. Bon, vous vous en doutiez, il fallait bien que j'explore ma Blu-ray Tech après avoir exploré ma DVD Tech. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez aimer découvrir 500 jours ensemble si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et bah, j'aurais tout simplement envie de dire, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. Mais je dirais plutôt qu'il y a beaucoup plus de bonus dans un Blu-ray que dans un DVD. Ce sera la phrase d'accroche de cette émission. À plus!